mais aussi ngène partager direct bi, mais aussi n'oublie pas de sponsoriser les marches, surtout les marches de demain. Boubalouma depuis Maroc, Alili depuis Belgique. Atia Mor Ndiaye depuis Guyadjana, sama koj mangi bégué ñep gaay di bégué wa Guyadjana. Baye Moussé depuis Espagne, ana wa États-Unis, sama domou baye Amar Toun mang lay bégué. A merci beaucoup Atia gaay, coup d'envoi des 45 dernières minutes. Atia de sama ce gaay di gënté Guyadjana ak Dialoré. Je vais donner sir mo commenter match civi ci kanam ma ñëwaat Atia bégué. On se retrouve les gars sur ces 45 dernières minutes entre Dialoré et Guyadjana, et le match de cette seconde période, Dialoré a fait deux changements avec Nabi Bangoura qui est rentré, le Guinéen Bangoura qui porte le dossard numéro 54, Nabi Bangoura, et aussi Mamadou Sadj est rentré. Les changements apportés par l'entraîneur de cette équipe de Dialoré n'ont pas tardé parce que la défense aussi a écopé de cartons jaunes. Et on compose avec la même défense, mais c'est apparemment l'attaque qu'on change parce que Nabi Bangoura est rentré et aussi Sadj est rentré, Mamadou. Et c'est Papa Sis qui va récupérer la balle avec son capitaine Malamine. Malamine, il va temporiser et trouver Laurent. Que va faire Laurent? Il va frapper Laurent en externe, mais le ballon a été intéressé par Sarr. Et la relance pour Nabi Bangoura, le Guinéen de cette équipe de Dialoré. Les gars, prenez votre temps de regarder ce numéro 54 de cette équipe de Dialoré, Nabi Bangoura. Il portait lors de la saison 2019 le numéro 10. Et ce Nabi Bangoura, c'est un très bon joueur. Ce Nabi Bangoura, il est technique, il est rapide et il est adroit devant les buts, Nabi Bangoura. Et il est rentré en seconde période, de même que Mamadou Lamine Sadj. Et l'arbitre interrompt le match parce que Nabi Bangoura a marché sur le pied de Lopi par inadvertance. Par inadvertance, Nabi Bangoura a marché sur la cheville de Lopi. Pascal Lopi qui est blessé et qui semble souffrir suite à cette blessure de Nabi Bangoura, causée par Nabi Bangoura qui a marché sur la cheville de Pascal Lopi par inadvertance. Les gars, il y a du bruit dans la cabine parce que les techniciens sont là. Ils sont bruyants, les techniciens. Mais ils font un travail remarquable pour vous permettre de suivre ce match avec des images que vous ne trouverez autres. Et Cheikh Nian qui nous dit que Nabi Sinso retire. Cheikh Nian, vous pouvez nous relater le parcours aussi de Makodé. Makodé, il est bon, le capitaine de cette équipe de l'ASC Dialoré. Oui, Nabi Bangoura signe son retour parce que Nabi Bangoura, il avait voyagé du côté du Qatar après la saison 2019. Il avait voyagé, puis il est revenu. Il avait aussi évolué avec l'équipe de la GIA, si je ne me trompe pas, cher. Il a évolué avec la GIA et aujourd'hui, il signe son retour avec l'équipe
le Dialoré, et c'est Cheikh Guiché qui va jouer avec Satch, le nouvel entrant Mamadou. Cheikh Guiché avec Laye Ndion, Cheikh qui va retourner avec Amad qui lui redonne la balle, et Cheikh a voulu poser la balle avec Makodé qui va trouver Beydi. Que va-t-il faire? Il va percuter, il va centrer fort en retrait pour tenter de trouver Nabi. Mais c'est la défense toujours de cette équipe de Guyana avec le Rastaman, l'imperméable Yankoba Soumaré, numéro 2 de cette équipe de Guyana, qui a dégagé la balle. Et le centre va venir à la Rémoise avec Makodé Nabi. La reprise et la frappe enroulée. Et quoi? Un pénalty pour cette équipe de Dialoré suite à une belle frappe enroulée de Mamadou Satch, le nouvel entrant. Ah, Guyana, comme l'irréparable la défense de cette équipe de Guyana. Et c'est Mamadou Kane de la main à contrer la frappe de Mamadou Satch. Dommage pour cette équipe de Guyana avec Yankoba Soumaré qui est dans tous ses états et qui conteste avec Arges ce penalty sifflé par l'arbitre. Gaye arbitre bi supporter Guyana ñu ngi ñaanal ñaan li ñak mënu ñu leen ko wax par respect. Mais wa Guyana né nañ li du penalty parce que qui dit Mamadou Satch dafa enrouler balle bi, ou plutôt c'était Pierre Diédjou. Exactement, c'était Mamadou Satch qui avait enroulé la balle et de la main Mamadou Kane a mal intercepté la balle et c'est un penalty et un carton jaune pour Cheikh Guiché qui est venu effectuer des pratiques mystiques sur les camps de cette équipe. Oui, Adjana, Cheikh Guiché, attention, il n'avait pas pris de carton jaune en première période. Heureusement pour Cheikh Guiché qui a écopé le troisième carton jaune de ce match, le deuxième pour cette équipe de Dialoré. Le premier carton jaune est venu avec Guyana. Après, cette équipe de Dialoré a reçu deux cartons, en l'occurrence Amad Sis. Un pénalty. Écopé d'un carton jaune et aussi Cheikh Guiché pour cette équipe de Dialoré. Gaye Dialoré amna penalty qui dit Mamadou Satch mo dor bal bi défenseur ou Dialoré bi lal ko ak loxo bi arbitre bi sifflé penalty. Yankoba Soumaré mo ngi alu, Yankoba Soumaré mo ngi kas, mais arbitre Makodé, du moins moy do penalty bi, le capitaine de cette équipe de Dialoré Makodé Fall qui va frapper ce penalty pour tenter d'ouvrir le score ici au stade Ngalane Diouf. Et nous jouons les gars la 52e minute de jeu. Makodou s'élance, Makodé, que va-t-il faire Makodé face à Alpha, en longue ligne gardien qui rappelle Van der Sar. Il a un profil similaire à l'ancien gardien de Manchester United. Et Galoir qui fait le tour du terrain. Apparemment, les équipes ont le même marabout. Parce que chaque équipe qui vient va faire le tour du terrain. Mais le penalty va être joué pour cette équipe de Dialoré avec Makodé Fall. Makodé Fall qui s'élance. C'est Makodé Fall qui ouvre le score. But pour cette équipe de Dialoré.
Les rouges et blancs de Arafat ouvrent le score ici au stade Ngalandou Diouf à la 53e minute de jeu par l'intermédiaire du capitaine Mako Defal. Mako Defal qui d'un contre-pied parfait ouvre la marque ici au stade Ngalandou Diouf. Le capitaine de cette équipe ouvre le score suite à un pénalty obtenu par Mamadou Sadj, le nouvel entrant au coaching gagnant pour l'équipe de Dialoré, qui y a fait deux changements avec Mamadou Sadj et Nabi Bangoura qui sont rentrés sur la frappe de Mamadou Sadj. Le défenseur de cette équipe de Guyadiana a intercepté la balle de la main et c'est un pénalty bien transformé par Mako Defal. Et Laurent Mendy va tenter de faire revenir ses coéquipiers dans cette partie. Et sur la tribune découverte, c'est certainement mon ami Bangoura, l'un des meilleurs supporters de cette équipe de Dialoré. Il est fou, mais il donne de l'ambiance, Bangoura. Taïmoutra Turbini, c'est le nouvel entrant toujours. Mamadou Sadj qui va s'élancer, qui va décaler avec Abdoulaye Ndion. Abdoulaye Ndion avec Souleymane. Souleymane appliqué et religieusement glisse la balle à Sadj qui perd encore une fois. Mamadou qui fait une bonne rentrée avec cette équipe de Dialoré. Il a remplacé Elhaj Omar Puy. Et toujours, ce sont les joueurs de Guyadiana qui vont tenter de revenir dans la partie avec qui Malamine Sakho, le capitaine, avec Justin Mendy qui va jouer avec Soumaré qui a manqué son ouverture interceptée par Souleymane Cisse. Souleymane Cisse, il est fort, le petit Souleymane. Jules Cissé, il est trop bon. Et toujours Dialoré avec le nouvel entrant Mamadou Sadj qui va jouer de l'autre côté et chercher une longue ouverture interceptée de la poitrine par Pascal Mendy qui joue avec Malamine le capitaine et l'arbitre qui interrompt le jeu suite à une blessure d'un des joueurs des Rouges et Blancs de Arafat. L'un des joueurs de Dialoré appelle les soins. Les secouristes vont venir s'enquérir de la situation parce qu'apparemment le joueur de Dialoré a été blessé. Ah mon ami Sir, comme Ninka Wahé Gaï, l'équipe de Dialoré a Gaï, moment d'ouvrir le premier but sur Matsibi par Pelantu. Atcha 1 but à 0 pour cette équipe de Dialoré. Atcha gay di len wax rek ne match bi ni jexagul parce que man na wax sax ne desat na bi waaw xamuñu ndax Guyadiana da fay égaliser wala l'équipe de Dialoré day confirmer, mais en tout cas l'équipe de Guyadiana peut bel et bien égaliser sur ce match. Mais football là, Atcha ballon dégagé par l'axe de Guyadiana. Atcha toujours repoussé par le latéral gauche de Dialoré. Toujours Dialoré New York balbi non ci milieu terrain bi. Attention perte nañ balbi. Arbitre néna ya faute sur le joueur de Dialoré. Ay Atcha ballon joué mais perte nañ ko dañ ko yakamti. Tous pour l'équipe de Guyadiana. Atcha le cœur se tafasi, Mamaya Wadjal def changement non. Atcha nous dans ballon, tous nanko. Le Tintin de Guyadiana, c'est le numéro 7. Sir, comment il s'appelle? Tafasis. Atcha, c'est le latéral gauche de Guyadiana. Moi tous balbinonu. Djornoko. Attention, Guyadiana toujours. Mamaya Demsika ou Dialoré non. Tous bataille gay Dialoré. Guyadiana moi am tous gay bataille. Guy Adjana, maman, mais tous, oui. Instaï, Mungi Serse avancé, évidemment, Tikaou, Dialoré. Pour chercher le but d'égalisation. Atcha changement, du côté de Guy Adjana, double changement, l'arbitre Bididef.
double changement le coach bi di def tafasi at bi nana no tous bi dial acha ballon a ballon mal joué par l'équipe de Guyana. Acha gay, vous pouvez toujours commenter et partager les directs, mais surtout aussi de sponsoriser les matchs pour nous permettre gay chaque jour ñu ñow di len ko jox live and acha ballon toujours pour l'équipe de Guyana. Momoy avancé non di dem mais ballon stoppé par le milieu de Dialoré. Pertat nañ bal bi le capitaine de Guyana, ballon bien joué. Ah oui, il y a faute sur le capitaine de Guyana. Guyana ñu am coup franc nonu ci milieu terrain bi. Acha arbitre changement du côté de Guyana. Le numéro 13 et le numéro 11 ñom ñoy dugu. Ah oui. Acha gay 60 minutes de jeu, toujours 1-0. But marqué à la 53e minute de jeu par penalty. Et les changements de l'autre côté après ceux de Dialoré. C'est le coach de Guyana qui va effectuer ses trois changements avec Pape Sis qui va céder sa place à Koulibaly. Et Pape Gueye va rentrer à la place de mon ami Mendy Pascal. C'est Pascal Mendy qui va céder sa place au numéro 11 de cette équipe, Pape Gueye. Et le numéro 10 va attendre. Et c'est un double changement comme du côté de Dialoré qui a fait rentrer Mamadou Sadj et Bangoura. Et le centre va venir du côté gauche. Et c'est Sarr qui avait manqué sa parade et puis se reprend et dégage longuement pour trouver le nouvel entrant qui a décanté une frappe qui amène le pénalty. Mamadou Sadj a fait une très bonne rentrée du côté de Dialoré avec Nabi Bangoura. Et c'est toujours Lopi qui a laissé le ballon avec un jeu sans ballon pour trouver Pape Gueye, le nouvel entrant de cette équipe de l'ASC Guyana. Et nous avons dépassé l'heure de jeu. Toujours Dialoré mène sur le score 2-0 suite à l'ouverture sur penalty par l'intermédiaire de Makhode Defal, le capitaine. Et c'est Nabi Bangoura, le talentueux guinéen, qui va jouer avec Mamadou, l'autre nouvel entrant. Et c'est Koulibaly qui joue avec Laurent. Laurent, que va-t-il faire? Il va temporiser pour trouver Koulibaly qui décale avec Pape Gueye. Pape Gueye, le nouvel entrant, va faire quoi? Il va temporiser. Il va centrer, manquer son centre. Et facilement capté par le gardien Sarr de cette équipe de Dialoré. Ah là 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 là, quelle occasion gâchée par Pape Gueye, nouvel entrant du côté de Guyana. Et la longue ouverture d'Amat Sis pour trouver Sékou Traoré. Et le dribble de Malamine qui essayait de trouver Laurent ou Pape Gueye. Non, pas père, mais le dégagement d'Amat qui va finir en touche. Et la rentrée de touche va profiter à la rentrée d'un des joueurs de Guyana avec le numéro 10. Qui va effectuer sa rentrée sur cette pelouse du stade Ngalandou Diouf. Il va prendre la place de qui? Ah, c'est le numéro 17 qui prend la place du numéro 5, Seydi. Et le numéro 10 de cette équipe de Guyana. Quatre changements du côté de Guyana avec Amadou Ba qui rentre. Et aussi Koulibaly était rentré de même que Pape Gueye. Et on aperçoit la Elas Diop rentrée à la place de Lopi. Amadou Ba, le numéro 10 de cette équipe de Guyana, qui effectue sa rentrée à la 63e minute de jeu pour tenter d'amener du surnombre au niveau de l'attaque de cette équipe qui semble être faible de Guyana.
Amadou Ba va être l'un des dépositaires de ce jeu de Gouye Adjana. Ils vont laisser les côtés qui ne passent pas et tenter de trouver le jeu vertical sur cette seconde période. Et le jeu vertical va-t-il profiter à cette équipe de Gouye Adjana? Reste à voir dans ces 25 dernières minutes avec Beydi, toujours Beydi percutant, mais qui perd la balle. Beydi, il a manqué 3 passes depuis ce début de match. Et c'est Lopi. Non, Lopi n'était pas sorti, il est toujours là. Le numéro 18 de cette équipe, Pascal Lopi, il est toujours là. Et de l'autre côté, avec Yankoba qui va jouer avec Laurent. Laurent, il va percuter. Laurent, il peut apporter beaucoup à cette équipe de Gouye Adjana. Laurent. Laurent Mendy, il est percutant, il est déroutant, Laurent Mendy. Et il est intenable sur son côté droit, comme il peut évoluer à gauche aussi. Laurent Mendy, mais son côté de prédilection, c'est le côté droit. Laurent Mendy. On le surnomme aussi Papi Mendy. Il est l'un des joueurs sur qui j'avais fait les premiers articles des Nawetane. Et le centre va venir de Lopi qui va trouver la tête. Non, la parade de Sarr qui va jouer une longue relance avec Sadj. Sadj qui contrôle et perd la balle récupérée par Amadou Ba, le petit génie de cette équipe de Gouye Adjana qui est rentré depuis la 63e minute de jeu. Le but de Diallore a été marqué par Mako Defal, le capitaine, sur pénalty obtenu par Mamoudou Sadj. Et Diallore mène toujours au score. Diallore est devant au tableau d'affichage devant cette équipe de Gouye Adjana. Diallore toujours avec Sekou Traoré, précieux, et la passe en profondeur manquée d'Abdoulaye Ndione qui a voulu trouver le nouvel entrant décisif. Sur le pénalty, il est à l'origine du pénalty obtenu suite à une frappe religieusement roulée qui trouve la main de Yakuba Soumaré et le dégagement avec l'équipe de Gouye Adjana qui trouve la tête d'Amatis. Et c'est toujours Beydi qui perd, et la rentrée de touche sera effectuée par l'équipe de Gouye Adjana. Une longue touche avec Amadou Ba qui contrôle. Amadou Ba dans la surface, il décale pour Laurent Mendy. Laurent avec Malamine. Malamine toujours lent sur ses interventions. Malamine, le capitaine de cette équipe, doit apporter de la vivacité. Et il manque de prendre des informations en réceptionnant les ballons. Malamine Sakho, il n'est pas dans son match dans cette reprise. Et toujours Gouye Adjana avec qui Amadou qui perd sa passe. Amadou Ba, le nouvel entrant, qui perd une passe précieuse de l'autre côté gauche. Et la rentrée de touche pour cette équipe de l'AS Diallore avec Abdoulaye Ndione. Abdoulaye Ndione, il va décaler avec Beydi. Beydi, que va-t-il faire? Il va faire le crochet. Et Nabi est en hors-jeu, mais Beydi est intelligent. Retourne avec Abdoulaye. Abdou glisse à Cheikh l'intervalle, il a cherché, mais il ne l'a pas trouvé, Cheikh Guissé. Et c'est toujours, ah là là, j'aime pas ces talonnades nonchalantes de ce nouvel entrant de Gouye Adjana. Il faut jouer juste, il faut jouer avec efficacité, il faut s'appliquer sur les passes si on veut marquer et égaliser. L'équipe de Gouye Adjana est menée au score, mais certains joueurs en rajoute des talonnades et des neymarades qui n'ont pas lieu dans cet entre de Ngalande Diouf. Et Diallore va effectuer son troisième changement avec qui? Avec le numéro 88 qui va effectuer sa rentrée. Cheikh Guissé, qui a écopé de carton jaune, va céder sa place. À Efren Diouf.
Efren va effectuer sa rentrée du côté de Dialoré à la place de Cheikh Gissé qui a effectué un match dantesque. Au niveau de l'engagement, au niveau des passes, il a été l'un des meilleurs joueurs lors de la première période. Mais il est au ralenti depuis son carton jaune écopé suite au pénalty obtenu par son équipe. Et c'est Efren qui va prendre sa place et tenter de faire le même travail que Cheikh Gissé. Et de l'autre côté, c'est Pape Mbaye qui dégage loin pour trouver qui Bangoura. Non, Malamine Sakho récupère, mais c'est toujours Efren qui va jouer. Et c'est Lopi qui récupère. Lopi très précieux pour cette équipe de Gouye-Adjana. Il est tantôt à gauche, tantôt il rentre dans l'entrejeu de cette équipe. Lopi décroche, Lopi propose. Et Lopi est tenté de faire du bon boulot malgré que son équipe est menée au score ici au Stade Galandou Diouf. Et toujours un but à zéro pour cette équipe de Dialoré devant Gouye-Adjana. Un but marqué par le capitaine Mako Defal. Et le public applaudit Cheikh Gissé qui a fait un très bon match. Le transfuse de Idéal. Et Laurent Mendy qui va jouer le coup franc de la tête. L'ASC Gouye-Adjana ne parvient pas à trouver la déviation. Ah oui, mon ami Sir, toujours l'ASC Gouye-Adjana, Mungi Dema, DCRC. Le but d'égalisation pour Niawatsi Matsibi. Pour aussi Bokato Sikursubi aussi. Mais instant bini, nous jouons la 70e minute de jeu, dans encore 20 minutes moins si des. Agaï en football, footballistiquement parlant, le pragnati, tout est possible. Achegaï, l'équipe de Gouye-Adjana qui dégage ce ballon pour nous gagner cette surface. Acha toujours, tous pour l'équipe de Dialoré. Dialoré, nous avons balbino nous. Adidema Tikaou, équipe Bini de Gouye-Adjana, attention, ballon toujours, ballon bien joué, bien défendu par l'axe de Gouye-Adjana, toujours Nyom Nyom Dem Nonou. Attention, c'est un compte pour le Tintin, le numéro 13 de cette équipe de Gouye-Adjana. Atcha Djelna Balbi passe dans le petit militaire, perte Nan Balbi, récupéré par le capitaine de cette équipe de Dialoré. Atcha Defno, mauvaise passe. Atcha arbitre Nan avantage, oh Yako Franc. Ah oui, arbitre, il y a double coup franc. Double coup franc, Mam Nonou. Ah oui, il y a 11 heures de Dialoré à terre, Nonou. Parce que dans le cas, il y a 72 minutes de jeu. Il y a une gagné au fini. Bien marqué à la 53e minute par Moko Defal, le capitaine de cette équipe de Dialoré par Palanti. Atiagaï Dylan Wah aussi, c'est la zone 1C. On a organisé deuxième tournée. En première heure, vous aurez l'équipe de Ngalam contre l'équipe de Renaissance. En deuxième heure, vous aurez l'équipe de Lebougui contre l'équipe de Lendeng. En troisième heure, vous aurez l'équipe de Diamagun contre l'équipe de Ndiayen. En 21h, quatrième heure, vous aurez Sokabek contre l'équipe de Léon Valda. Agaï Dylan rappelle toujours, il faut sponsoriser les mars pour nous permettre. Dylan Kodjok Livenda, Fiti Kumalamb. Atcha, c'est 10 000 francs, le mot est sponsor, Morey. Mais c'est 10 000 francs seulement. Les bonnes volontés des équipes, la diaspora des équipes. Mangle Niwo, Sinimol Robi, 77, 402, 07, 67. Atcha, Bolem Dugue, si pas, Bidigan, Am Nimorobi. En plus aussi, si Afis Souve, Bidigan, Tchazam. Atcha, coup franc pour l'équipe de Dialoré. Toujours à la 73e minute de jeu. 73 minutes de jeu. Coup franc pour cette équipe de Dialoré.
Atiam est en ballon. Un ballon mal tiré. Un coup franc est mal tiré par le Zoro de Diallore. Mais toujours, l'équipe de Guyana est menée par 1-0. Acha, c'est le portier de Guyana. Mon dégagé non, mais Bahoul. Acha, tous pour l'équipe de Diallore. Finis, c'est le côté droit. Diallore, instant bini. Nous avons 5 ans. Ah oui, c'est normal, c'est football. Acha, toujours, ballon pour Diallore. Nous avons balbino, nous bataille. Il dit non, coach, milieu de terrain. Le milieu de Diallore qui recule. Diallore toujours. Attention, pertinent Balbi, le numéro 13. Acha def na passe profondeur. Ballon toujours. Toujours, il attend encore de Guyana. Meilleur Balbi, non, c'est le numéro 11. Ou bien sûr, c'est mon petit Nakbaroul. Estad Belendum. Attention, Guyana toujours, Gaï Moukaï CRC. Ballon. Ça passe à côté. Ah, Gaï Amnan Cornel. Corner pour Guyana. Sur ce petit barreau, on va s'en faire le dos. On va s'en faire le dos. Achegaï, corner pour cette équipe de Guyana qui cherche toujours le but d'égalisation pour revenir sur ce match. Acha arbitre. Nana Zorbi n'a jugé fofu pour me permettre de nous jouer corner bi. Acha ballon. Corner. Acha passante nanko. N'yungi dema chika ou Diallore. Toujours. Le numéro 13. Mauvais centre la ref. Ah, il a fait un mauvais centre. Donc 6 mètres pour cette équipe de Diallore. Toujours mené à la 53e minute de jeu par Pelanti. Achabi marqué par Mokode, le capitaine. Achabi mon ami Sir. Dohalal. Sonuna. Et Naya, ce jeu d'Yarna. Hamna Essayas Villa. Et le jeu qui reprend avec cette équipe, avec Lopi, du côté de Guyana, intercepté par Beidi. Beidi qui a manqué sa passe. Pour Mamadou Sadj, le nouvel entrant, qui a décanté la situation avec une frappe limpide, qui a trouvé le bras de Mamadou Kane sur le penalty transformé par le capitaine Makhod Defal. Et toujours Guyana qui va jouer avec le nouvel entrant, un pivot très costaud. Guyana toujours qui cherche à égaliser, mais malheureusement Guyana ne parvient pas face à cette défense de l'équipe de Diallore. Gaï Essambi Matibi Tchunlui Bakla. Faut l'al day tang. Parce que ñaari équipe yi dañoo mëna football. Ñaari équipe yi mayewñu dara. Équipe bi di Diallore mo mëne goul 1-0. Mako Defal mo dougal penalty depuis 53e minute. Mais équipe bi di Guy Adjana néna du bayyi du décourager, du xadi. Équipe de Guyana néna day jema égaliser. Équipe bi de Guyana def na 4 changements et l'équipe de Guyana va effectuer le 5e changement avec l'entraîneur très concentré dans ce match qui fait du bon boulot, n'empêche que son équipe est menée au score. Et c'est l'équipe de Diallore avec Souleyman 6, le latéral gauche très prometteur de cette équipe de Diallore. Il a évolué avec l'ASC remonté en 2018. Et cette saison, il est du côté de Arafat avec Diallore. Et c'est Koulibaly, le nouvel entrant. Que va-t-il faire Koulibaly? Il va se le jouer à la slalom. Koulibaly a été égoïste sur ce coup. Et Koulibaly a manqué de décaler de l'autre côté gauche pour trouver la profondeur. Koulibaly a préféré frapper. Et Koulibaly va se mordre les doigts et Koulibaly va regretter cette frappe molle captée facilement par Sarr qui va dégager long pour trouver Sekou Traoré qui va dévier avec Bangoura. Non, c'était Sadj plutôt qui va jouer toujours avec Abdoulaye Ndion. Abdoulaye Ndion, le régulateur de ce jeu de Diallore, il est en train d'apporter son expérience et sa formation. Je vous rappelle qu'il a été formé du côté d'Aspire.
Spire Academy. Il a aussi joué cette saison en Ligue 2 avec l'équipe d'Amitié FC de Thiès. Il est expérimenté malgré qu'il a juste 23 ans. Il a été aussi international U17 et U20 avec les jeunes joueurs de la sélection sénégalaise. Et Abdoulaye Ndion est en train de faire un bon match, de même que Lopi, le numéro 18 de cette équipe de Guyadjana, l'un des meilleurs de Guyadjana. Il est tantôt sur le côté gauche, sur son côté qu'il gère bien. Tantôt il glisse sur l'entrejeu et propose beaucoup de solutions pour son équipe ASC Guyadjana, qui ne parvient toujours pas à revenir au tableau d'affichage. Marguerite a rentré d'Amadou Ba, le numéro 10, et c'est Yacouba Soumaré de la tête qui prolonge le ball, la balle en touche. Et aussi, les gars, vous pouvez sponsoriser le programme de demain de la zone 1C, guys. Sponsoriser le programme Bobo avec des équipes comme les Bougui, le Tchaka. Tchaka va revenir souba. Ambiance fini. Et Ndiayen Tamit souba de Guéné. Ndiayen équipe de Kobi. Équipe Aliouad. Sponsoriser le match Bobo et la longue ouverture pour chercher qui. C'est le nouvel entrant Efren qui a manqué sa passe pour Nabi Bangoura. Ah là 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 là, c'était plutôt Sekou Traoré. Il a démarré ce match Sekou. Il est bon en pivot, mais Sekou doit s'appliquer sur ses remises. Efren avec Abdoulaye, la passe interceptée par Yacouba Soumaré, Lopi. Et le ballon repris par Mako Defal, toujours précieux. Et Efren manque de passe. Efren, le nouvel entrant, il a pris la place de Cheikh Guissé. Mais Efren n'arrive pas à s'imposer dans cet entrejeu. Et on aperçoit notre ami Ndoye Talibé Bamba. Ndoye Talibé Bamba borom teranga depuis les États-Unis. L'ami des Béninois. Kharitou et la Rousseau Nene, on dit aspire en anglais. Et la Rousseau fokh ñu wané wanelu parce que Ndoye Talibé Bamba dañuy jox ay cours ci souf nan ñu aspire dañ koy neexal nan kon spire en anglais. Spire Academy wala aspire. Xolal lu len neex bu la nexé sax la Rousseau ngane aspirine yaaye tay set lu la neex nga def ko ca. Et c'est toujours l'arbitre qui interrompt le jeu avec le changement, cinquième changement qui va venir avec Guyadjana. Guyadjana qui va effectuer son cinquième changement avec Elhadj Diop qui va effectuer sa rentrée. Elhadj Diop qui remplace Laurent Mendy en pleurs, Laurent Mendy déçu de son match. Aïcha Gaï, je commande toujours le score match pour tenter de gagner un jus de Naya Jus. Jus, si vous êtes aux États-Unis, ça va être livré par le GP. Parce que Goubi Doudagne est toujours Amadou Ba, le nouvel entrant avec Beydi. Beydi, il récupère Beydi. Il a voulu glisser avec ses coups Traoré. Et c'est Makode qui se dégage avec Efren. Efren qui perd la balle avec toujours Guyadjana qui va jouer. Toujours Guyadjana, le centre va venir et la talonnade. Oh là 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 là. Quel manque d'application. Quel manque d'application venant de cette attaque de Guyadjana qui a toujours passé sur les côtés son point fort. Mais la passe manquée de Souleymane et le tacle à les deux pieds. Et toujours Guyadjana qui va essayer d'égaliser la frappe croisée. Et l'égalisation de Guyadjana. Guyadjana égalise par l'intermédiaire de Pape Gueye, nouvel entrant. L'entraîneur de cette équipe de Guyadjana a effectué 5 changements et ces 5 changements ont payé. Et c'est Pape Gueye, le numéro 11 de cette équipe, qui égalise pour cette équipe. Pape Gueye,
Pape Gueye égalise pour Gouyadjana suite à une passe manquée de Souleymane Cissé. Souleymane Cissé qui a voulu trop s'appliquer sur sa passe. Souleymane Cissé a voulu trop wanelou. Et Souleymane Cissé a manqué malheureusement sa passe qui profite à Pape Gueye, le numéro 11 et nouvel entrant. Qui égalise pour cette équipe de Gouyadjana, l'équipe d'Alves Diop, Seni. Seni Diop qui a sponsorisé du côté de Gouyadjana et c'est Diallore qui va tenter de se réveiller suite à cette égalisation de cette équipe. C'est Pape Gueye qui a égalisé pour Gouyadjana Gaye. Pape Gueye m'a égalisé l'équipe de Gouyadjana parce que ce qui est de Souleymane Cissé n'a pas passé. Donc si bolé ay raxi doli ay raxi doli la ci bëggon doli passe ba ëpp passe ba manqué goné gi di Pape Gueye mo duggal légui jël bal bi croiser ko deuxième poteau bubu tubab la duggal bi bobu tubab bi dañ kay jangal xalé yi mais fi ci teungéc guy aljana sen entraîneur yi aussi dañ kay jangal seni xalé et aussi namuñu dara ay tubab. Le Tafasi, l'entraîneur de Gouyadjana qui a fait de très bons choix en faisant rentrer Amadouba, le numéro 10, en faisant rentrer l'auteur de l'égalisation, Pape Gueye, le numéro 11. Et toujours la longue ouverture avec Gouyadjana qui se reprend sur ce match. Et c'est... De l'autre côté va venir le danger avec la rentrée de ce petit, le numéro 10, Amadouba, qui fait une bonne rentrée. Nabi Bangoura qui ne se retrouve pas, Nabi, qui va jouer avec Efren qui décale pour Beydi. Beydi avec qui il va tenter la percussion et glisser en profondeur, intercepté par Mamadou Kane, le défenseur de cette équipe de Gouyadjana. Koulibaly. Ah là là, Koulibaly qui a manqué sa passe. Koulibaly, le tenté. Il est tenté comme tenté. Koulibaly. Et Ndoye Talibé Bamba. Waouh, amène le direct Ndoye parce que. Aussi, on va diffuser, Inch'Allah, le match de Teranga la prochaine fois. Parce que Doussi Niak, nous avons des problèmes techniques. Mais nous allons gérer, Inch'Allah. Et. Acha mon ami sir waxon na lako marsi bi dess na bi a waxon na peut-être Gouyadjana momay dougal bi ou égalisation wala aussi Diallore momay yok bi mais gal finalement c'est l'équipe de Gouyadjana qui vient d'égaliser sur ce bel but de Pape Gueye à la 93e minute de jeu et may bégué mon ami Mansour di le bégué acha gay. Marti bi relancé wuna instabili da famel marti nil moy xegn ana ñi waxona marti bi ala won mais malheureusement ken bindu ko won acha coup franc pour l'équipe de Diallore. Diallore attention directement le portier de Gouyadjana mu japp bal bi def ko en deux temps acha le portier qui relance le ballon à son latéral gauche. Acha ballon joué. Gouyadjana toujours qui continue d'attaquer. Attention, c'est un contre. Ballon mal joué. Dégagé en tous par l'axe de cette équipe de Diallore. Acha Gueye, les 3 minutes qui restent là. Dégen Figuis Martounair. Toujours tous pour l'équipe de Diallore. De... Non, c'est de Gouyadjana. Maman, on tous non nous. Acha ballon joué. Gouyadjana toujours le numéro 10. Acha Lumidafa, ballon. Ah ouais, arbitre Lumor. Ah ouais, arbitre de tous, Nena, l'équipe de Diallore. Maman, am tous, binonu. Acha, nous sommes. Nous sommes tous heureux. Acha, mangi bégué, les techniciens. Tiens, j'ai bégué, il fallait dire que bégué aussi. Gaï, mangle ni bégué. Acha ñu dem gaay amakhubi marti dego da rahman ah way le dego wa dego il faut sponsoriser les marts
dalen koy sponsoriser gaay ñu koy joxe naysa adi bege aussi mon ami Paline mu may bipé rek Paline ba nga ko lo tuddu torop di bege aussi Adama Kanara acha gaay toujours guyajano le numéro 9 a mo def mauvaise passe ni récupérer par la défense de Diallore Diallore ñoy jouer balle bi nonu sen côté gauche attention passe nañ balle bi directement l'axe de Guyajana qui dégage ce ballon attention c'est un compte pour l'équipe de Guyajana mo ngi dem ballon bien défendu par l'axe de Diallore axe Diallore bi mo tacler nonu balle bi génn acha toujours ñu ngi dem attention bëkk nañ balle bi gaay Diallore attention Diallore Guyajana estabili yewu nañ acha 4 minutes de temps additionnel 4 minutes de temps additionnel instant bi le arbitre bi la touche bi joxe ah ñu ngi dem toujours acha gaay attention l'équipe de Guyajana est toujours motivée pour chercher le deuxième but, le but de la victoire. Mais la défense de Diallore qui dégage ce ballon, arbitre Bignouat n'a si faute bi. Il y avait faute. Acha gaay ni lay démé à chaque fois. Direct l'air nagn. Image 7-8. Acha merci. Il faut que ngén sponsorisé. Acha gaay sir damay o aussi les petits entrepreneurs, gaayor start-up yi. Ñamelen ñu gaay away ngeen ñoo ñu liggéey presque da naka sir tay ay jeune rek ñoo sponsoriser match yi man lool moma ci gëna neex merci beaucoup à nos sponsors du jour di bëggé aussi Amartoun depuis les États-Unis est toujours Diallore avec ses coups et l'arbitre qui siffle la faute hors jeu farouchement contesté par les supporters dans cette loge de Diallore et Guyajana avec leur entraîneur l'entraîneur de Guyajana comment il s'appelle Mustapha Sis il a fait Tafa Sis il a fait un très bon choix de très bon choix tactique l'entraîneur de Guyajana il a fait rentrer Mustapha le numéro 17 que vous voyez en pivot il a fait aussi Amadouba il a fait aussi rentrer l'auteur de l'égalisation, Pape Gueye. Et ces trois-là ont apporté beaucoup à l'attaque de cette équipe de Guyajana. Et ils ont égalisé suite à une récupération rapide sur une passe manquée de cette équipe de Diallore. Et toujours Efren qui décale pour Souleymane. Souleymane qui a manqué son match sur... cette égalisation de Guyajana. Et toujours Guyajana qui se dégage, ballon récupéré par Makodé qui a voulu jouer avec Nabi. Et les 4 minutes du temps additionnel de ce match vont bientôt s'épuiser. On aperçoit les policiers venus récupérer les arbitres. Et c'est Soumaré qui va sans doute jouer la dernière occasion du match. Non, c'est le dégagement de la tête par Amart Sis avec Nabi Bangoura. Bangoura, il va percuter. Bangoura, que va-t-il faire? Il va être taclé par Amadouba. Amadouba qui a fait une rentrée exceptionnelle, le numéro 10 de cette équipe de Guyajana avec Mustapha, le numéro 17. Avec aussi Pape Gueye, l'auteur de l'égalisation pour cette équipe de Guyajana. Pape Gueye. Le numéro 11 a fait une très bonne rentrée. Gaï, équipe Guyajana, c'est un coach qui a fait un peu de temps. Parce que dafa xol ne dougal nañ ko mu ñew def 5 changements génné meilleur joueur un des meilleurs joueurs def ay changements yu offensif mu génné Laurent Mendy dougal ki di Mustapha en pivot parce que xamna né je suis intervalle tay ji du bax pour équipe bi di Guyajana mu né xaram essayer de passer par un attaquant de pivot tek attaquant de pivot bi pour mu mëna décaler joueur yu ndaw yi mu mujjé dougal à savoir Amadou Ba ak ki di Pape Gueye si lolu le joueur Diallore bi manqué ben passam bu mu don def milieu terrain bi intercepté ko glisser balle bi en profondeur Pape Gueye égaliser l'équipe bi di Guyajana
Et l'homme du match aussi, on peut le donner à cet entraîneur de Gouye Adjana, qui a effectué de très bons choix tactiques. Il a été audacieux sur ce coup en faisant 5 changements offensifs et tenté d'égaliser ce qu'ils ont fait. Et l'équipe de Diallore face à cette attaque de Gouye Adjana a concédé l'égalisation par l'intermédiaire de Pape Gueye. Et le match va bientôt se terminer parce que les 4 minutes sont pratiquement épuisées et Amadou Ba, fauché par Bangoura, va obtenir le dernier coup franc de ce match. Amadou aussi des nouvelles rentrants. Et c'est Lopi aussi qui a réalisé un match exceptionnel avec l'équipe de Gouye Adjana. Il a été au four et au moulin, le latéral gauche de cette équipe de Gouye Adjana. Et c'est Soumaré, le Rastaman, qui va jouer la dernière occasion de ce match. Et c'est la fin, les gars, dans ce match, dans ce choc qui a opposé l'ASC Diallore à l'ASC Gouye Adjana. Un très bon match. Personne n'a démérité. Les deux équipes se sont livrées une bataille sans merci avec le coach de l'ASC Gouye Adjana, à qui il revient le mérite d'avoir effectué des changements gagnants avec 5 changements offensifs qui ont permis à son équipe de chercher et de trouver l'égalisation. Et c'est Pape Gueye, un des entrants de cette équipe de Gouye Adjana, qui a permis à son équipe de revenir au score et de ramener un petit point, mais un point précieux pour l'équipe de Gouye Adjana. Et Diallore, depuis l'ouverture du score, n'a pas aussi trouvé les profondeurs et le jeu vertical qui l'a permis d'ouvrir le score sur un penalty obtenu par un des nouveaux entrants aussi. Et les gars, on peut saluer l'effort et l'audace des deux coachs qui ont fait des changements gagnants dans ce match. Et le match est fini sur le score d'un but partout, avec chaque équipe un point à ramener à la maison. Et on félicite les deux coachs qui nous ont bien régalé avec un bon bataille tactique, quoi. C'est la fin de ce match, les gars. On vous donne rendez-vous tout à l'heure. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le dernier match entre Guelouar qui va s'opposer dans cette 4e heure à l'équipe de Bokoudjom qui avait remporté l'édition précédente, les gars. Achagaï, restez avec nous pour le 4e heure. Diganté l'équipe de Guelouar. Acha contre l'équipe de Bokoudjom, 4e heure. Bi. Restez avec nous à Boulendem. Nous jouons la 4e heure. Bi.
beaucoup.